Et Sacha également. Alors, petit briefing là, de la session d'aujourd'hui. Là. Je vais vous faire un petit dessin de la zone de nave. Donc, on se fait donc les vagues au fond. Ici, les rochers, la digue. Ici, on a la zone interdite avec nos amis les oursins. Donc, on va se faire deux figures. On va tester le air jibe. Et on va se faire un petit classique quand même, le speed loop, ok? Ouais, non, pas besoin. Hein. Ouais, pour toi, on va dire qu'on va pas faire ni d'air jive ni de speed loop. Ah, mais ce qui serait intéressant, c'est que tu essayes de te faire des gros bords de vitesse le plus vite possible, bien calé au harnais, en te penchant un maximum en arrière. Ouais, bien sûr. Bon, bah c'est parti? C'est parti. C'est parti. Bienvenue dans Échappée Belle. Cette semaine, nous sommes en Guadeloupe. Et si je reviens vivante de cette aventure en planche à voile, je vous proposerai de faire une escapade dans les rues de Pointe-à-Pitre à la découverte des marchés colorés. On ira aussi sur la mystérieuse île de la Désirade. Et j'ai la chance d'être en Guadeloupe au moment du carnaval, un événement essentiel sur toute l'île. Et on va pouvoir aller chanter, danser au rythme des gros cas, les tambours guadeloupéens. Alors souhaitez-moi bonne chance. Hein. Écoute, hein, faut pas être trop difficile non plus. Faire de la planche à voile en Guadeloupe, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. C'est déjà pas mal. Manque un peu de vent quand même. Hein. Ça manque un peu de vent là. Ouais, un petit peu quand même. Moi, ça manque un peu de biscotto plutôt. Quoi. Sainte-Anne, c'est le spot spécialisé pour la planche à voile en Guadeloupe. Ouais, je pense que ouais. On a tout ce qu'il faut ici, on a des vagues, on a du vent, on a un lagon, de l'eau bleue, du soleil temps en temps, donc bon. Un besoin de plus, hein. Et est-ce que vous, habitants de la Guadeloupe, vous y êtes tout le temps sur la plage? On passe même pas mal de temps à la plage, que ce soit pour les sports, avec le lycée, avec le collège, le déjeuner en famille, tout ça. Ça a quand même une place vachement importante dans tous les habitants de la Guadeloupe, quoi. Et tu t'imagines aller en métropole et vivre loin de la mer? Eh bien oui, forcément, au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose, et j'ai jamais vu la neige, je connais pas la montagne vraiment, donc c'est d'autres choses à découvrir aussi, du snowboard ou du roller, je sais pas. Cette plage, je vais jusqu'au fond comme ça, et c'est que du sable blanc. Bonjour. Salut mon frère. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que je peux vous servir? Un petit coco? Ben oui, frère. Pas sec, mais demi-sec. La bonne quand elle est bonne, c'est bon. C'est ça le principal. Quand elle est jeune, elle est bonne, et quand elle vieillit, elle est meilleure. Et vous êtes planche à voile, vous? Non, pas du tout. Par contre, je suis un bon professeur. C'est plus facile d'expliquer que de le faire soi-même. Bon, et là, on boit comme ça, là, direct? Ah ouais, voilà, de la coco. Ben okay. Oui, ma chérie, j'ai pas de paille, malheureusement. Alors, c'est bon? Ça fait du bien, là, après la planche. Merci. Salut, frère. Au revoir, coco. Bon après-midi. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Salut. Salut, mouchaillon. Les plages de Guadeloupe sont une véritable scène où l'on aime se montrer sous son jour le plus beau. De temps en temps, la plage se transforme même en un véritable podium sur lequel viennent défiler les filles les plus jolies.
Aujourd'hui, les prétendantes participent à un casting photo pour un magazine de mode. Les organisateurs sont restés discrets sur le lieu du rendez-vous pour limiter l'affluence. Car les candidates se bousculent au portillon de la mode. Bonjour Nelcy, je vais faire quelques clichés, on va faire un petit test photo. Depuis 2-3 ans, il y a un réel engouement chez les filles. Il y a des agences prestigieuses comme Elite, Cosmopolitan, IMB qui se présentent, qui viennent régulièrement recruter des filles. Donc on a effectivement un potentiel et les filles y croient de plus en plus. Donc il y a un réel engouement. Ok, change de pose. Ce genre de casting permet parfois de révéler de jeunes Guadeloupéennes sur la scène internationale. Bonsoir à tous, bonsoir. C'est ce qui est arrivé à Élodie Pradel, qui vient d'être élue Miss Caraïbes devant une vingtaine de pays concurrents. On a vraiment un très beau métissage et l'équipe qui travaille au niveau de la mode en Guadeloupe est très très sélective. Donc effectivement, les filles doivent être nickel. Il plane assurément comme un parfum de séduction dans l'air chaud de la Guadeloupe. Et la beauté physique, le désir de plaire, valent pour les filles comme pour les garçons. Pour eux, c'est souvent à la tombée de la nuit que vient le moment de briller. Il est là. Dans une résidence cossue, proche de Pointe-à-Pitre, cette bande de copains s'apprête à partir en soirée. Parmi eux, Wendy, qui aime se faire remarquer par son style, auquel il accorde une importance toute particulière. Car ici, on ne badine pas avec le look. Donc pour ce soir, j'ai prévu une petite tenue, on va dire, un peu simple pour moi. Donc un petit haut de costard et un petit bas un peu, on va dire, façon déchirée et des chaussures simples. Donc voilà, on va affiner tout ça et on va voir ce que ça donne. Il y a un mot qui tourne beaucoup ici, c'est le swag. Swag, c'est celui qui est frais, qui se sent, enfin on va dire qu'il se sent bien, qui se met au plus stylé. Du swag jusqu'au bout du caleçon, drapeau américain, voilà. Donc même si on doit se déshabiller, on est beau. Ok, yes. Pas comme en métropole ou dans les pays où il fait froid, où les gens, ils ont leur corps caché. Moi, personnellement, et mes amis en tout cas, ils font quand même attention, on fait du sport, on essaie de prendre soin de nous. Wendy et ses amis sont au Purple Beach, une boîte renommée sur la marina de Pointe-à-Pitre. L'ambiance y est très caribéenne. On vient là pour s'exhiber autant que pour se rincer l'œil. On veut quand même plaire, donc on est très sur le regard des gens. Donc les gens, ils en font pour qu'ils puissent avoir une bonne image. Donc c'est toujours être bien habillé, bien coiffé, pour avoir la plus belle image. Mais certains soirs, la frime à la mode guadeloupéenne s'aventure sur d'autres terrains. Comme ici, dans la poussière d'un parking et le crissement des pneus. Ce sont les adeptes du tuning, nombreux sur l'île, qui organisent ce genre de rassemblement. Avec eux, la voiture permet de véhiculer sur quatre roues un style tape à l'œil pleinement assuré. Le propriétaire, il a été vers un design qui est le design de la nuit. Ici, il a fait question de coffre avec un esprit boîte de nuit, champagne. Alors on peut voir à l'intérieur du véhicule des sièges avec les petits détails de la finition carbone sur les dossiers. Voilà, et un design toujours un peu boîte de nuit à l'intérieur avec des petites strass à l'intérieur du véhicule. C'est quelque chose qu'on aime. On aime le véhicule ici, on aime l'esprit un peu chaud, tout ce qui est démonstration. Et c'est quelque chose qui est, on dira, dans le sang du Guadeloupéen. Et cette attirance pour tout ce qui brille, les enfants y sont sensibilisés dès le plus jeune âge. Nul doute qu'en Guadeloupe, la relève des frimeurs est assurée.
mon mari. Mais je continue. Ok. Attends, mais bonjour, ça va? Laurence, c'est toi, normal qu'il y ait tout le monde qui t'interpelle. En fait, tout le monde te connaît ici. Oui, oui, c'est normal. Ça va? Ça va bien? Laurence, oui. Très bien, très bien. Pourquoi vous la connaissez, Laurence? Mais parce que je vis à la télé. C'est comme les télénovelas, on rate pas. Oh, je vais dire, on rate pas. Ça, c'est très important. Non, mais c'est vrai. Dernière fois, j'ai dit, maman, maman, il y a Domino qui arrive. Elle dit, ouais. Ah, je suis un peu émue, là. Bah ouais, tu m'étonnes, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, ouais. Je te fais un gros bisou, parce que vraiment... Ça fait plaisir. Ce qui est bien, c'est que du coup, pour parcourir le marché, on avance à 1 mètre seconde. Bonjour. Ça va bien? Bien, ma question. Mais oui, ça va. Mais en voie d'habitat, elle est là. À bientôt, Robert. Au revoir. Bonjour, ça va? C'est bien, on a marché 150 mètres. Merci. Ça va, moi je suis du matin. Oui. Aux Antilles aussi, c'est comme ça. Les gens connaissent tout le monde, on se connaît. Donc, faut pas faire comme si, genre, tu es. Même si tu passes à la télé, tu restes la petite fille ou la petite cousine. Ou même si ça marche pour toi, tu peux pas arriver et dire. Ouais, snober les autres. Non, ça ne se fait pas chez nous. Là, la statue ici, c'est de l'eau. Et quand ils l'ont inauguré, en fait, c'est un tambourier qu'on appelle ça. En fait, c'est quelqu'un qui joue pas, qui était très. Le cas, c'est le tambour. Ouais, c'est le comme le monsieur là. Ouais. Et lui, c'est l'adrézo. Et il est très très connu ici, en fait. Le monsieur qui joue dans la rue là? Ah oui. J'ai compris que vous étiez connu ici pour la musique. Et même les musiciens connus en Guadeloupe, ils continuent à jouer dans la rue comme ça. Mais la rue, c'est la force, c'est l'équilibre, c'est les vraies valeurs. On voit tout le monde dans la rue. On voit l'avocat, mais on voit aussi le clochard. Parce qu'il y a de la misère en Guadeloupe. Là, je fais de la résistance culturelle. C'est un combat légitime, noble, spirituel. C'est une arme. Et où est-ce qu'on va là d'ailleurs? Ben là on est sur la place de la Victoire et on va dans les jardins de la place. Ici c'est vraiment le cœur de Pointe-à-Pitre. Ah oui, là on est en plein centre. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes belle. Merci. Merci. Ah ben on va voir Laurent. Donc Laurent, c'est ton partenaire scène et dans la vie. Voilà, c'est ça. C'est avec lui qu'on fait Domino. Domino, c'est un couple mixte en fait. Blanc, noir. Salut. Salut, ça va? Ouais, bah oui. Ah ben je te présente Sacha. Enchantée. Allez-y, je regarde pas. Ah. Non, c'est bien, bah c'est pas trop tôt parce que j'avais des racines qui commencent à pousser de mes pieds là. Pourquoi tu dis ça? Ça fait une heure et demie que je vous attends. Ça fait pas une heure et demie, tu exagères. Tu as un peu de sang guadeloupéen dans ton sang là. Ouais, c'est ça, tu peux. Toi tu vis ici aussi? Ouais, je viens ici, ouais. Et depuis 9 ans déjà. On s'est rencontrés dans une troupe de théâtre et puis on a créé une série qui s'appelle Domino sur les différences culturelles au sein d'un couple mixte joué de manière très humoristique. Et je peux voir le sketch du coup que ça vous a inspiré, cette histoire de retard? Bah oui. Impro en pleine rue, juste pour moi. Ah, enfin, j'ai plus fait. Ça fait une heure que je t'attends là, c'est pas possible. Mais non, ça fait pas une heure, ça fait 50 minutes. Oh là là, c'est pas possible. Je t'avais dit 15 heures. Non, mais je t'ai dit les embouteillages. Ouais, de toute façon, je sais pas si. Voilà, il y a toujours une bonne raison. Ben oui, voilà. Il y a toujours. Ah, ben... Il y a la pluie, il y a des embouteillages, il y a grève. Et grève, voilà, c'est sacré, hein, Laurent. On ne touche pas à ça. Ah, ouais, la grève, non. C'est sacré. Hein. Je sais pas si c'est culturel ou pas, mais vous, les Guadeloupéens, vous êtes tout le temps en retard. Tout le temps en retard, on n'est pas tout le temps en retard. Oh, hein. Si, 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 et toi aussi, la dernière fois, t'étais en retard. Hein. Quand ça? Quand on avait rendez-vous avec mon pote là. Mais faut pas t'énerver. De toute façon, vous les blancs, vous râlez tout le temps. Hein. Vous n'êtes jamais content. Non, vous n'êtes jamais content. Non, mais oui, t'es jamais content.
On n'arrive pas vraiment à savoir si c'est la vraie vie ou si c'est. Ah, mais si c'est pour jouer. Très bon comédien aussi. Et vous sentez la société guadeloupéenne évoluer ces dernières années? Quand même, un petit peu, par rapport à même quand j'étais jeune, ça a vachement changé quand même. Hein. Les gens, on a plus de facilité à marcher, par exemple, avec un blanc dans la rue, main dans la main, sans se, trop se faire, pas insulter, mais dire « Ouais, quand t'as fait blanc là, pourquoi tu es avec un blanc ?» C'est vrai que dans l'ensemble, quand même, la population guadeloupéenne est une population qui est tolérante, mais qui a peur. Moi, j'ai ce sentiment. Sous les tropiques et à plus de 7000 km de l'Hexagone, Pointe-à-Pitre se veut une commune française comme les autres, régie par les lois de la République. Pourtant, la réalité sociale y est parfois différente. Et la vie quotidienne n'est pas toujours la même, que l'on soit guadeloupéen comme Olivier, ou bien originaire de la métropole comme Malika. Lui est ouvrier au port de commerce, elle, professeure d'histoire au collège. Tous deux ont des parcours différents et leur propre point de vue sur cette société. À 28 ans, Olivier habite encore chez ses parents à la campagne. Son salaire ne lui permet pas encore d'acquérir son indépendance. Non, mais ça fait facile de vous parler. J'habite chez mes parents parce que j'envisage justement de construire ma maison. Donc, habiter chez ses parents, ça permet de faire des économies pour mieux préparer les choses. Malika, quant à elle, vient d'obtenir sa mutation en Guadeloupe. Elle profite de son nouveau quotidien. Ben voilà, c'est ici que j'habite depuis quelques mois. Et c'est plutôt un cadre agréable qui change quand même de là où je viens. À 31 ans, elle a troqué la grisaille de la banlieue parisienne et ses collèges difficiles contre une vie au soleil avec vue sur les cocotiers. La Guadeloupe est une petite île qui propose peu de débouchés professionnels. Elle détient même le triste record du chômage des jeunes qui frappe 59% des moins de 25 ans. Dans un tel contexte, Olivier s'estime plutôt chanceux de partir travailler tous les matins. En sortant de l'école, j'ai un petit peu ramé, un peu comme tout le monde. J'ai essayé des petits boulots par-ci, par-là. Et puis par la suite, j'ai suivi des formations qui m'ont envoyé dans un stage au port autonome. La bonne chance, c'est qu'au même moment, ils faisaient une séance de recrutement pour embaucher deux agents au niveau de la conduite et de la maintenance des bords. Olivier est ce qu'on appelle un portiqueur. Depuis 7 ans, il travaille sur le port de commerce de Pointe-à-Pitre, un endroit vital pour toute l'économie de l'île. Ce navire, c'est l'un des plus gros ports de conteneurs qui arrive sous la Guadeloupe. Donc on en a un comme ça par semaine qui fait Saint-Nazaire, Dunkerque, Guadeloupe et Martinique. Donc il vient pour ramener de la marchandise d'Europe. Le port emploie une vingtaine d'ouvriers comme Olivier pour charger et décharger les conteneurs. Ils sont les petites mains qui assurent le ravitaillement constant de l'île en produits étrangers. En général, on ne sait pas ce qui se trouve dans les conteneurs. Il peut y avoir du champagne, des télévisions, des ameublements, des pièces de voitures. Il peut y avoir aussi des voitures, mais en général, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La Guadeloupe est totalement dépendante des importations en provenance de métropole. 90% des biens consommés sur l'île proviennent de l'extérieur. Avec le prix du transport ainsi que les différentes taxes, le coût de la vie est nettement plus élevé ici que dans l'Hexagone. Malika n'a pas à souffrir de cette différence. En effet, comme tous les fonctionnaires mutés en Guadeloupe, son salaire est augmenté de 40%. C'est l'un des avantages dont elle profite, en plus de l'ambiance de travail dans son nouveau collège. Les élèves sont assez respectueux et ils ont tous l'uniforme, ce qui m'a changé le premier jour lorsque je suis venue ici. Ce qui change là, c'est l'étendue du collège. On a l'impression que c'est des petites maisons en fait et ça n'a rien à voir avec un grand immeuble. Donc là, c'est vert, c'est plus étendu. Avec cette classe de 6e, Malika va faire cours sur la démocratie athénienne sous l'Antiquité. Et pour être citoyen à Athènes, qu'est-ce qu'il faut ? Et peu importe si le monde grec est bien éloigné de la Caraïbe, car les petits Guadeloupéens doivent apprendre la même chose que tous les élèves français. En attendant, rappelez-moi,
Alors au niveau du programme, il n'y a aucune différence. On a le programme officiel qui est le même. Par contre, on adapte certains chapitres. Il y a certains points d'histoire où on insiste plus, par exemple l'histoire de l'esclavage. Il y a aussi des chapitres de géographie, comme ici on est dans une zone sismique, donc on va insister beaucoup plus dessus. C'est les mêmes programmes, mais il y a une adaptation quand même. Là aussi, avec la belle histoire. Une fois achevée sa journée de travail, Olivier rejoint ses parents à la campagne pour les aider à cultiver leur jardin potager. Les travaux des champs apportent un complément de revenus à la famille et leur permet aussi de profiter du grand air tous ensemble. Ben en fait, là, c'est le jardin créole familial. En fait, où on retrouve un peu tous les produits typiques locaux du pays, comme le pois d'Angole, les patates, les ignames, le groseille. Donc voilà, c'est notre petit coin de paradis. Ça, c'est la belle vie et pour rien au monde, j'ai changé ça. Malika, elle, n'a pas la chance d'avoir sa famille à proximité. Mais elle s'est trouvé un nouveau passe-temps, la peinture, inspirée par les paysages de l'île. Elle est loin de chez elle, mais elle éprouve tout de même quelque chose de familier. J'ai quand même l'impression d'être dans le même pays parce que c'est la même langue, on retrouve exactement la même chose. La seule différence, c'est peut-être effectivement la température et la luminosité surtout. J'avais toujours l'idée, l'impression d'être en France, mais dans une France un peu plus lointaine, on va dire, un peu différente. Mais ça reste toujours la France. Une expérience en Guadeloupe procure cette étrange sensation, celle d'être dépaysé dans son propre pays. Extrêmement fréquenté, ouais. Où la population vient communier, vient faire ensemble, vient satisfaire au rite. Et c'est l'occasion de voir les parents, de voir du monde, de s'assurer de la santé d'un tel ou un tel. Et donc c'est un espace de recréation, j'ai envie de dire, de respiration de la population. Mais là, vous étiez là aujourd'hui, vous étiez là en tant que sociologue pour m'accompagner, mais vous venez aussi à titre personnel le dimanche? Eh bien, cela m'arrive. Hein. J'avoue que je ne satisfais pas tout à fait au canon de l'Église, mais cela m'arrive effectivement. Près de 80% des Guadeloupéens sont catholiques et finalement adoptent les mêmes rites. Il y a un beau mélange de choses qui proviennent d'images que, par exemple, l'esclave africain avait chez lui et qu'il va traduire, qu'il va relire, revisiter. Donc, on va prendre ce qu'il y a à prendre du côté de l'Église et on va l'adapter en fonction de ses aspirations. Et Mornalo, qu'est-ce que ça veut dire? Le Mornalo, en réalité, c'est l'appellation a été trouvée par les Français qui étaient sur le littoral et qui avaient trouvé une source qui coulait à flanc de colline. Le morne, une colline, c'est un morne chez nous. Ah. Voilà. Et ils ont appelé l'endroit Mornalo, le morne dans l'eau. C'est très joli comme Mornalo. Pour un village. Hein. Absolument. Deux âges dans le cimetière. Hein. Au départ, les sépultures étaient essentiellement des sépultures de familles blanches
puisque les esclaves étaient enterrés sous les habitations, on n'était jamais enterrés au niveau du cimetière. Et cette pierre tombale symbolise le premier âge du cimetière de Mornalo. Et au fur et à mesure de la disparition de ces familles, les concessions ont été réattribuées aux locaux, si je puis dire. Et je vois que les tombes sont souvent noires et blanches. Est-ce que ça a une signification particulière ? Le noir et le blanc symbolisent le deuil. Le blanc pour les enfants, le noir pour les adultes. En fait, chez nous, il y a le principe des doubles funérailles. On meurt deux fois. On meurt le jour de sa mort. 40 jours après, il est censé partir. Et quand il vient ici définitivement, tout au moins dans la tête des gens, eh bien là, il vient pour s'y reposer. Mais il n'est pas tout à fait mort, il n'a fait que partir. D'ailleurs, dans les chansons, on dit « un tel voyager ». La mort, en fait, chez nous, reconstitue la communauté. Elle ne la fait pas disparaître, elle ne l'éclate pas, parce que pendant une nouvelle veillée au mortuaire, on chante, on danse, on joue parfois. Et on est dans quasiment du ludique, même si on est en même temps dans le recueillement. Lorsqu'il y allait, l'éveillé mortuaire. Boulaguel. On fait umbo, 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 umboko. Voilà. Umbo, umboko, umbo, umboko. Parce qu'il faut savoir que les tambours étaient interdits à une époque de l'esclavage. Et nos ancêtres, ils ont dit, bon, ils nous empêchent de jouer, et bon, on va le faire avec notre voix. Et c'est comme ça que c'est arrivé, et c'est comme ça qu'on le retrouve surtout dans les grands fonds. Et le nom de la compagnie ou de l'école, comment ça s'appelle ? Alors l'école, c'est Kamodjaka, ça veut le dire quoi ? Cas qui rencontre le modern jazz et qui contemple les danses de la Caraïbe. Donc c'est un mélange pour dire que nous pratiquons le gros cas à fond, à fond, à fond, mais cela ne nous empêche pas de nous ouvrir vers l'extérieur. Il faut être comme l'amandier, je ne sais pas si vous avez déjà vu un très bel amandier dehors, Il a les racines bien chouquées, bien ancrées dans le sol, et il est comme ça. Donc, et il s'ouvre. Donc, c'est ça l'idée de Kamodjaka. Sur l'île, la musique est auréolée d'une certaine fierté identitaire et il existe plusieurs styles typiquement guadeloupéens. La biguine, notamment, est un style musical très populaire qui possède même ses légendes vivantes, comme Eddie Gustave. La biguine, c'est comme le jazz. C'est une musique qui s'exprime bien, ça joue un peu à l'échelle comme on ressent. Et puis ça permet une petite improvisation comme dans le jazz. Donc c'est souhaitable qu'on fasse un petit truc chacun comme ça. Ça fait comme un orchestre de jazz en même temps. Après avoir écumé les clubs de jazz parisiens, ce saxophoniste est revenu dans sa Guadeloupe natale pour se consacrer à ses premières amours. Begin, c'est un mot anglais qui vient depuis la Nouvelle-Orléans. Alors les gens faisaient un genre de carnaval dans les rues, tous les musiciens jouaient, black, white, tout le monde jouait de la musique. Et puis à un certain moment, les gens s'arrêtaient sous les trottoirs ou dans les rues pour former des petits groupes, pour jouer à l'échelle individuelle comme ça, ou en groupe. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre un solo, on lui disait « begin », c'est-à-dire « commencer à vous », etc. Et le mot « begin » vient de là.
Ce jazz mijoté à la sauce créole s'accompagne aussi de quelques pas de danse bien relevés. On se déplace tout en gardant le rythme. Les hommes, vous invitez une dame. Voilà. Régulièrement, des académies de danseurs répètent les enchaînements très précis imposés par la tradition. C'est une danse qui se danse en couple. C'est un pas de deux. On doit avoir un pied à plat et un pied demi-pointé. Et ça se danse sur un rythme de deux. 1 et 2, 1 et 2, comme le célèbre Zandoli Patinipat. Zandoli Patinipat, Zandoli Patinipat, Mavouyaka Montemon, Mavouyaka Montemon, Tizozio Kafanishai. Voilà, et on se déplace. C'est comme un métronome, hein? On doit garder le temps, c'est un rythme à deux temps. On y va, on pose le pied juste derrière et on se tourne légèrement. C'est avec un mélange de sérieux et de légèreté que les Guadeloupéens entretiennent leur héritage musical. Le bassin bouge beaucoup plus. On n'est pas en begin classique. On avance. Salut Philippe! Salut Sacha! Je peux monter à bord? Welcome on board, bienvenue à bord! Waouh! C'est la première fois que je monte sur un bateau qui a fait la route du Rhum. Ouais. Bon, je vais t'aider. Je vais juste plier ça gentiment, tranquillement. Tu te prépares en ce moment pour la prochaine route du Rhum? Je prépare la prochaine car j'ai fait le Rhum 2010 avec celui-ci. Ouais. C'est en 2014, 31 octobre. Oh, tu me fais visiter? Je rentre d'abord, il faut pas être trop grand, il faut être assez souple. Pas être trop gros. Ah ouais, bateau de course, c'est épuré quoi à l'intérieur. C'est assez spartiate. Ouais. Le seul endroit où je peux me mettre debout, c'est ici, au niveau de la table à cartes, ma table à cartes ici. Et ça là? Ça c'est une couchette. C'est pour te retenir quand ça agite, voilà, exactement. Pour pas tomber. Ça fait une espèce de hamac quoi. Exact. Et pour manger, t'as une petite cuisine? Pour manger, eh bien, on a vite fait le tour. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il y a ça. Un petit évier. D'accord. Avec une bouilloire, un pour le thé, le café, et un petit réchaud juste là. C'est combien de temps une traversée de l'Atlantique? Les premiers ont fait la traversée en 18 jours. Moi, j'ai mis 20 jours pour pouvoir faire ma traversée. C'est parti! Tu sais barrer un petit peu, Sacha? Un petit peu, mais pas les voiliers comme ça, là. Si tu sais barrer un voilier... À barre franche, tu prends l'idée, c'est de passer entre la verte et la rouge qui est de l'autre côté. Ah là, tu me laisses barrer carrément à la sortie du port, ok. Oui. J'aime bien parce que tu fais vite confiance aux gens. Voyez normal, hein. Donc voyez de croisière, hein, non? Ouais, là ça réagit au millimètre près, ouais. Quoi. C'est fou comme c'est minutieux par rapport à un voilier de plaisance. Et d'être en solitaire, ça fait quoi en fait? Mais j'adore ça. Et j'ai jamais aimé d'avoir énormément d'amis autour de moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc la navigation en solitaire, c'est quelque chose que j'affectionne énormément, en fait. Et là, ça va souffler fort. Hein. Pareil à virer? Pareil. Tout doux, hein? Tout doux? Tout doux, hein? Attention, on vire. Vas-y. -45 degrés, toujours. Ouais. Ouh, ça commence à rentrer les vagues, là. T'as vu les sensations? Dès qu'il y a un peu de vent, tout de suite. Ouais, c'est hallucinant, ça part d'un seul coup, quoi. Tout de suite, wow, il accélère. C'est bon là, hein? Et t'as eu des rencontres surprenantes pendant la traversée? Des baleines, des dauphins quasiment tous les jours en Atlantique. J'ai pu rencontrer des dauphins.
et aussi des oiseaux. Il ne faut pas oublier qu'on est seul sur le bateau. Ouais. Donc lorsqu'il y a un oiseau qui arrive, qui partage ces moments, on est tout content, quoi. On se met à parler aux oiseaux et puis on se demande si on n'a pas de problème, quoi. C'est... Est-ce que pour toi, c'était une fierté de pouvoir dire qu'il y a un Guadeloupéen qui s'aligne sur le départ de la route du Rhum, qui termine la course? Bien sûr que c'est une fierté, parce que c'est une course qui arrive en Guadeloupe. Donc en 2006, il n'y avait aucun Guadeloupéen, je dirais, natif natal. En sachant que bon, il allait y avoir toute la population qui allait m'accueillir en tant que fils du pays, quoi. Ouais. Et l'arrivée à la Darse de Pointe-à-Pitre... là, c'est comme si c'était hier, quoi. Je m'en souviens encore. Tu vises l'arrière du machin. L'arrière du cargo, là. Du cargo, ouais. La Guadeloupe est un archipel qui regroupe 9 îles habitées et une trentaine de petits îlets. Pour les rallier, le bateau est bien souvent le seul moyen de transport et l'on croise tout type d'embarcations dans les eaux guadeloupéennes. Aujourd'hui, il y a foule à l'embarcadère de Pointe-à-Pitre, car le ferry de l'Express des Îles s'apprête à larguer les amarres. On est rempli parce que c'est le dernier jour des vacances, hein, donc tout le monde reprend le boulot demain, les études et tout, donc là on est rempli. Là. Et là en plus il pleut, donc ça n'arrange pas les choses, donc on est un peu speed là. Monsieur, s'il vous plaît, donnez votre valise, s'il vous plaît. Monsieur aussi, s'il vous plaît. Oui. Merci. Cette compagnie assure la liaison avec l'île de Marie-Galante. Avec 3 rotations quotidiennes, l'Express des îles remplit quasiment un rôle de service public et transporte plus de 800 000 passagers par an. Nous allons rencontrer un peu de mer dans le canal entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante. Donc je vous invite à rester assis tout au long du trajet. Nous vous souhaitons à tous un excellent voyage et nous vous disons à tout à l'heure à Grandbeau. Merci à tous. La majeure partie des passagers, ce sont des habitants de Marie-Galante qui se déplacent le matin pour aller travailler, qui retournent chez eux le soir. Et ils font ça pendant toute la semaine, hein, du lundi au vendredi quasiment. Les passagers ont leurs petites habitudes à bord du ferry. Certaines places sont même réservées aux joueurs de belote qui profitent de la petite heure de trajet pour taper le carton. Je suis retraité, donc comme je suis d'ici, je vais voir mes parents. Et dès que je monte sur le bateau, j'essaie d'avoir une place pour jouer. Les places sont chères, hein, il faut courir. À une époque, on avait des bateaux qui mettaient 2 heures, 3 heures. C'était moins confortable et moins rapide. Maintenant, bon, y a un bon roulement, disons. Il y a un bon roulement. Parmi les habitants des îles, certains peuvent s'affranchir des horaires du ferry, car ils possèdent leur propre embarcation. Allez, c'est parti. C'est le cas de Gino, un pêcheur de l'île des Saintes qui part tous les 2 jours sur Basse-Terre pour écouler le produit de sa pêche. En poisson, il y a 250 kg environ. Et là, on va amener le poisson là, pour le marchand de Trois-Rivières. Il habite à Trois-Rivières. La plupart de nos pêches partent sur la Guadeloupe parce que l'île est trop petite, surtout si on a des pêches de 200-300 kg. Alors on est obligé d'aller en Guadeloupe pour amener le poisson, quoi. Pour Gino, faire la traversée est indispensable. C'est le seul moyen pour vendre d'un seul coup tout son stock de poissons. Et les fidèles pélicans accompagnent chacun de ses trajets. Meurs de faim. Des fois, je lui donne à manger quand j'en ai.
Ils vont venir jusqu'à... Je le fais souvent à la traversée. Hein. Que ce soit pour faire les courses, pour amener le poisson, c'est agréable. Hein. Le bateau est ici un outil de travail indispensable aux Iliens. Mais certains font une toute autre expérience de la navigation en Guadeloupe. Ce sont les passagers du Ponant, un yacht de croisière luxueux qui fait régulièrement escale dans l'archipel. Bienvenue à bord du Ponant, si vous voulez bien me suivre. Le navire accueille une soixantaine de croisiéristes dans un cadre agréable, avec un personnel aux petits soins. Pour offrir un confort maximal à ses passagers privilégiés, le commandant doit lui-même adapter sa navigation et s'applique à éviter les passages les plus houleux. Et par contre, après, ouais, la route, c'est sur Charleston. Et puis, en ce moment-là, on a une mer agitée dehors, voire forte dans les passages entre les îles. Hein. Donc là, on a des goulets d'étranglement un petit peu où le vent accélère. Et puis, on a toute la houle de l'Atlantique qui va rentrer. Après, on arrive toujours à trouver des endroits protégés. Hein, donc on se met sous le vent des îles au moment des dîners ou des moments où on veut un peu de confort. De la plus simple à la plus luxueuse des embarcations, il existe bien des façons de naviguer sur les eaux de la Guadeloupe. Chahuté. Mmh, il y avait des grosses vagues. Hein. Ah. Ça se mérite la désirade. Ah, il faut désirer la désirade, c'est sûr. Voilà, le petit port de pêche de désirade. On fait une partie du port de pêche. C'est là que les marieurs viennent acheter le poisson. D'accord. Les marieurs sont des marchands de Saint-François, de la Guadeloupe, qui viennent pour récupérer le poisson de désirade. Et l'expédier en... le revendre en Guadeloupe. Guadeloupe. Alors, salut. Bonjour. Waouh. Elle est belle, celle-là. Elle fait combien de kilos? 8 kilos. La différence entre le mâle et la femelle, c'est la tête. La tête. Comme l'homme et la femme. Nous, on a des grosses têtes et puis les femmes, elles ont des petites têtes. Ouais. Vous êtes meilleur en poisson qu'en humain, non? Mais il vient là. Pas vraiment. Tu me laisses. Tu me tiens ça. Hein. Ouais, je tiens. On peut voir un peu à l'intérieur des cales. C'est beau, chacun ils ont une couleur différente, non? Oui, c'est que là, ce que j'ai déjà pêché depuis ce matin. Mais quand ils sont dans l'eau, c'est à quelle couleur? Eh bien, c'est bleu. C'est quand c'est mort, ça devient vert. Aussi les autres pas là. Là, c'est une bonne journée? Bon, on va dire oui. Il y a combien de personnes qui vivent à la Désirade? En permanence, on a 1700 et quelques personnes. Mais il y a beaucoup plus de Désiradiens. Hein. Il y a 3 ou 4 000 Désiradiens. Hein. Il n'y a qu'un petit tiers qui habite à la Désirade. Ah oui, d'accord. Ils sont partout dans le monde. Ouais, ils sont dans le monde. Ça va? Bonjour. Et le nom de Désirade, ça vient de... Ah, c'est à la suite du deuxième voyage de Christophe Colomb. Donc c'était au 15e siècle. Oui, très longtemps, sans voir de terre, absolument rien. Et Christophe Colomb aurait dit, bon écoutez, si demain on ne voit pas de terre, on rebousse chemin.
et c'était le 3 novembre. Un marin de Christophe Colomb s'est écuyé Terre Désirée, Tierra Desirada, et là, c'est devenu cette Terre Désirée. Fait des bateaux. Avant, il faisait des bateaux en bois et maintenant, il fait des bateaux en plastique. C'est avec ces bateaux-là qu'on pêche. Et vous arrivez à savoir combien vous en avez fait? J'ai pas compté, mais presque 1000. Des fois, on dit que la Désirade, c'est l'île des pêcheurs. Est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que c'est plus pour du folklore maintenant? 95% des gens de la Désirade, ils pratiquent la pêche. Tous les jeunes d'ici, ils font la pêche depuis à l'âge de 20 ans, 21, 22, 23 ans, ils ont leur bateau. La Désirade fournit plus de 50% du poisson pêché en Guadeloupe. Hein. Comme les jeunes Désirades sont pratiquement tous marins, ils ont le cœur qui bat en fonction de la mer. Wow. C'est génial, là, c'est là, on voit toute l'île. Cette plage, quand vous venez là l'après-midi, on peut même voir des raies. Sur le sable dans la mer, on voit qu'il se déplace. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit comme île? Quand on regarde, on voit des îles des Saintes là-bas. On voit la Dominique et quand il y a très très beau temps, on arrive à voir même la Martinique derrière. Ah ouais? Ouais. Il existe en Guadeloupe plusieurs petites îles comme la Désirade, un peu à l'écart du monde, en marge de l'activité. Cette ambiance, on la retrouve aussi dans l'archipel des Saintes, et notamment sur l'île de Terre-de-Haut. Un rocher de 5 km² sur lequel vivent moins de 2000 habitants. Le rythme y est ralenti, et en ce dimanche matin, seules les cloches de l'église viennent troubler le calme des lieux. La messe est l'une des rares occasions pour la communauté de Terre-de-Haut de se retrouver ainsi rassemblée. Nous avons la chance d'avoir au moins, je pense, 90% de baptisés au Saintes. Et nous avons tous les dimanches une participation très, très importante. Nous sommes, paraît-il, un peu particuliers, les Saintois. Nous vivons beaucoup entre nous. Peut-être un petit peu égoïstement, peut-être. Cette atmosphère un peu spéciale, un artiste venu de La Rochelle en est tombé amoureux. Après avoir longtemps bourlingué sur les mers, Claude Édouard a posé ses valises ici et n'en a plus bougé depuis 27 ans. L'espace était parfait pour moi. Cet esprit d'île fermée dans une baie aussi belle que celle-là, c'est exactement le volume dont j'avais besoin. À force d'observer les paysages et les coutumes locales, Claude s'est pris d'intérêt pour les bateaux de pêche abandonnés qui dégagent une certaine beauté graphique. Alors, ce qui me plaît énormément dans ces bateaux, ce sont les marques du passé, les marques du travail du pêcheur, l'usure des bois, des peintures. Ça, c'est quand même absolument fabuleux. Et je crois que ça transpire toute la vie des pêcheurs. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est très intéressant, ça. Les matières sont très belles, très très belles. Ces matériaux délaissés, Claude va les apporter à son atelier, où il s'applique à leur insuffler une seconde vie sous la forme d'œuvres d'art. Un hommage à cette île dont le calme et la sérénité ont plongé l'artiste dans une humeur créatrice. Pourtant, la tranquillité des lieux est régulièrement mise à mal. Chaque jour, à heure fixe, au moment où le ferry débarque son flot de visiteurs. Les Saintes sont classées parmi les plus belles baies du monde. Et chaque année,
ils sont environ 200 000 touristes à venir la visiter. Les habitants ont dû s'adapter en développant l'industrie touristique. Claude n'y fait pas exception et lui aussi a ouvert son restaurant. Alors, la salade de lentilles sera pour qui ? Pour vous ? Quand je suis arrivé il y a 27 ans, je commençais à m'inquiéter un petit peu parce que je me demandais quelle ampleur ça allait prendre. Et puis finalement, tout est resté raisonnable. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand ces touristes s'en vont, rentrent en Guadeloupe, nous retrouvons le calme de l'île. Et ça, c'est quelque chose qui était inestimable. Au Sainte, c'est ainsi que vit l'île de Terre-de-Haut. Au rythme des allers et retours du ferry, elle alterne entre le calme et la frénésie. La mer, elle a une couleur incroyable. Ah oui, on a les deux mers qui se joignent un petit peu, la mer des Antilles et l'océan Atlantique. On va s'arrêter, là ce sera juste à côté des iguanes. En général, quand le soleil est là, sur tout le bord de la route, il y en a. Il y en a tout le long. Par exemple, il y a un beau milieu là. Mais on peut s'approcher de l'iguane? Oui, on peut se rapprocher. Il commence à sortir. Regardez un peu là-bas. Il y a un autre qui sort la tête, là. Alors, ces iguanes, c'est les animaux endémiques de Désirade. Alors, il y a une trop grosse surveillance qui se fait dans la mesure qu'on ne... Il ne faut pas que les iguanes qui sont en Guadeloupe arrivent ici, là. Ah oui. Parce que c'est deux espèces complètement distinctes. Oui. Vous croyez qu'on va en voir d'autres, là, ou c'est... Ah aussi, ils vont sortir. Hein. Il y en a. En général, ils sont pas... Ils sont pas sauvages, hein. Plus... Il y en a là. Ah ouais, plus sur le soleil, maintenant, on va voir par exemple tout près là. Ah, excellent. C'est vraiment très, très, très rustique, hein, très rudimentaire, hein, comme ces bêtes-là. On dirait des mini-dinosaures, quoi. Ah ben, c'est des dinosaures, hein. Là, c'est la Guadeloupe qu'on voit. Là, c'est la Guadeloupe, c'est la Grande Terre. Il manque juste 2-3 baleines qui passent, là, et ah oui, oui, oui. Mais alors, les baleines, on n'est pas dans la bonne période. Mais c'est un endroit où on vient voir les baleines parce qu'elles se baignent un petit peu tout le long là. Bah, on voit les iguanes à la place, c'est pas mal. Ah, on voit les iguanes, ouais. Ça permet d'alimenter la Désirade en électricité. Ouais, c'est la première centrale de Désirade. C'est qu'on est dans un pays de cyclones. Au fait, on a à peu près 3 jours par an où on a le calme plat, où il n'y a pas de vent. C'est autrement, tout c'est... Oui, oui. Autrement, c'est toujours bien ventilé et ça marche en permanence. On avait l'appréhension, quand ce projet est arrivé à son aboutissement, avec des éoliennes, mais quand on va avoir un cyclone, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça ne résiste pas à un cyclone. Et maintenant, on a ces machines qui, dès l'approche d'un cyclone, on les baisse, on laisse passer le cyclone, et puis ça revient. L'homme sans argent est un vrai corps sans âme. L'homme sans argent ne peut pas rigoler. Les chansons de marins sont chantées en général pour une occasion. Ah oui. Vous savez, on ne chante pas comme ça des chansons de marins. On chante pendant les moments de la fête de la mer, la fête des marins pêcheurs. On chante lors d'un enterrement de marin. Mais ce n'est pas un folklore à Désirade. C'est une réalité parce que on peut très bien commencer une fête avec un grand zouk, mais il est rare que quand on a bu, quand on est très gai, qu'il n'y a pas une chanson de marin
qui revient. Et petit à petit, maintenant, ça se met dans toutes les communes maritimes de la Guadeloupe et de la Martinique. On essaie de reprendre une tradition qui était une tradition très vivante et qui est restée intacte qu'à Désirade. Bon, mais vous n'en avez pas une en créole, alors, là? Ah oui, on va vous donner une petite créole. Alors, en général, les chansons en créole, il faut beaucoup de musique pour que ça donne toute son ampleur. D'accord. Alors là, c'est une forme de pêche qui s'appelle flambeauté. Flambeauté, c'est que le soir, quand la mer est belle, vous avez des marins qui partent avec un flambeau, une torche, et puis on va, quand la mer est basse, on va, et avec une fouenne, avec un pic, quoi. On essaie de surprendre les poissons quand ils sont méchants. Hein. Mais enfin, c'est un petit peu ça. Et puis on pêche comme ça. La musique, c'est sacré. Ça promet pour le carnaval où on va se retrouver dans quelques instants. Mais je vous propose de faire un détour en attendant par l'une de nos routes mythiques aux confins de l'Indonésie, la route des îles de la Sonde. Cette semaine, pour le troisième épisode, on retrouve le réalisateur Nicolas Millet sur l'île de Timor, à l'histoire douloureuse des années de conflit. Il est parti à la rencontre de réfugiés qui cherchent une terre d'accueil en Indonésie. Et puis, il prend la route de Dili, la capitale de la jeune république du Timor oriental, du Timor Leste, où règne une ambiance dynamique et euphorique. L'Indonésie est une terre d'exploration infinie. Une vie entière ne suffirait pas pour parcourir les 18 000 îles du plus grand archipel du monde. Pour cette route, j'ai décidé de m'aventurer dans le chapelet des petites îles de la Sonde. Ce voyage aux confins de l'Indonésie me mène de Bali à Sumba. Pour une plongée dans un tourbillon de culture ancestrale, et pour mieux comprendre les enjeux contemporains qui marquent cette région. Je m'envole vers Timor, à l'extrême-est de l'archipel. Je dois atterrir à Kupang, le chef-lieu de la partie indonésienne de l'île. L'histoire du Timor est complexe. En 1975, l'Indonésie envahit la partie orientale du Timor, ancienne colonie portugaise. Un débarquement brutal des troupes indonésiennes, suivi de 25 années d'occupation violente et de conflits avec la guérilla, laisse cette partie de l'île exsangue. En 1999, l'Indonésie change de stratégie et accepte un référendum sur l'indépendance de la province. Le résultat est sans appel. Le Timor oriental vote massivement pour ne plus faire partie de la République indonésienne. Sous la pression internationale, l'Indonésie accepte le verdict. Mais avant de se retirer, elle sème le chaos, espérant ainsi déclencher une guerre civile qui justifierait l'annulation de ce vote. Des milices, formées de Timorais et d'Indonésiens, massacrent et terrorisent la population pro-indépendantiste. La situation dégénère et les Nations Unies décident d'envoyer des troupes pour rétablir la paix. Le 20 septembre 1999, les forces armées australiennes débarquent enfin à Dili. Aujourd'hui, la guerre est terminée depuis longtemps. Et pourtant, à la sortie de Kupang, je remarque que les bords de route sont jalonnés de constructions. Ce sont les maisons des réfugiés nés au Timor oriental. Quand il y a eu le référendum, vous avez choisi quel camp ?
pro-Indonésie. On était pro-Indonésie. Mais pourquoi vous avez soutenu l'Indonésie ? Pour nous, l'Indonésie, c'est mieux. En plus, mes parents soutenaient l'Indonésie. Alors pourquoi fallait-il choisir ? C'était mieux pour nous de suivre l'Indonésie. On est venu ici parce qu'on a eu peur. On a eu peur à cause de cette guerre. Durant le conflit, 200 000 personnes se réfugient dans la partie indonésienne de l'île. Depuis, beaucoup sont rentrés au Timor oriental. Mais on estime encore à 20 000 le nombre de réfugiés qui restent en territoire indonésien. Ils ont ouvertement soutenu ce pays et ne veulent pas rentrer, par peur des représailles. Tu sais, pour les exilés comme nous, eh bien, tu rentres dans la pauvreté. Rien que pour manger, c'est compliqué. Alors quand tu veux acheter du ciment ou même des clous, on ne peut pas les acheter. On est obligé d'utiliser des matériaux naturels. C'est comme ça. Triste sort pour ces exilés qui ne trouvent pas leur place sur leur île et doivent s'accrocher à des lopins de terre qui ne leur appartiennent pas. Je reprends ma route pour traverser cette île encore marquée par son histoire de violence et de conquête. Il me faut 2 jours pour rejoindre la nouvelle frontière qui coupe le Timor en deux. C'est prêt. Votre visa indonésien n'est plus valable. Ok, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Ne revenez pas, hein. Non, je ne reviens pas. Si tu reviens, il te faut un nouveau visa. Si on se revoit, eh bien, ce sera dans un autre endroit, dans un resto ou à la plage. Merci. Batu Gade, poste frontière rutilant et paisible. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Beaucoup de réfugiés ont transité par ce poste. Le tracé de cette frontière repose sur un document de 1904, datant de l'époque coloniale. Il a fallu plusieurs années pour que les deux pays s'accordent sur une démarcation définitive. Aujourd'hui, l'heure est à la coopération entre les deux nations. Le passage de frontière se fait facilement, peut-être un peu trop même. Écoutez-moi bien. Vous pouvez rencontrer les gens, mais dans le territoire indonésien. Ici, c'est le Timor oriental. Vous savez que vous enfreignez la loi quand vous êtes ici. Donc je peux très bien contacter les autorités indonésiennes pour leur expliquer. Cette situation ne peut pas arriver. Alors retournez là-bas, s'il vous plaît. Vous attendez là-bas, à la frontière, et pas ici. Vous avez beaucoup de problèmes de contrebande ? Des problèmes de contrebande. Vous savez, c'est un petit pays, une nouvelle nation. On a peut-être par jour 20 ou 25 personnes qui font du trafic. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent ? Oh, que des petites choses. Du kérosène, de l'huile, que des choses de la vie du quotidien. Bien que, il n'y a pas longtemps de cela, à peine 3 semaines, on a arrêté une personne qui transportait de l'héroïne. Mais ce n'était pas ici. Ça s'est passé à Dili et on l'a déjà mis en prison. Mais avec cet événement, on a appris que peut-être dans le futur, nous allons être confrontés à un trafic potentiel de drogue et de personnes. C'est pour ça qu'on essaie de renforcer le contrôle de cette frontière. Me voilà donc au Timor oriental. Le pays fête ses 13 années d'indépendance. Pour la jeune nation, le défi est énorme. Tout est à reconstruire et à inventer. Il a fallu repartir de zéro, avec des ressources humaines et naturelles très limitées. Mais le Timor oriental n'est pas seul.
plus de 9 milliards de dollars ont été injectés par la communauté internationale pour développer ce minuscule pays. C'est à Dili, dans la capitale, que se joue son avenir. Dili attire les forces vives du pays et les entrepreneurs étrangers qui veulent prendre part à ce développement. Pour mieux comprendre cette transformation, j'ai rendez-vous avec David, un jeune Français qui a posé ses valises dans la capitale en 2009. Là, on est dans le Timor Plaza, qui a été ouvert il y a 8 mois maintenant. Et c'est tout nouveau, c'est pour tout le monde, pour les étrangers qui vivent ici, pour les Timorais. En Indonésie, ils ont ça depuis des années, mais ici, au Timor, c'est vraiment nouveau. C'est une nouvelle société qui est en train de se créer au Timor, c'est quelque chose de fort. Mais les changements qu'a connus Dili sont pour l'instant plus cosmétiques que révolutionnaires. Le boom économique de la capitale est dû principalement à l'exploitation pétrolière en haute mer. Cette manne a permis de renflouer les finances de l'État depuis 2006. Comment va être le Timor d'ici 30 ans? C'est qui tout double. Parfois, je dis aux gens, tu vois, ça serait un bébé Singapour, le Timor, dans 30 ans. Et les gens rigolent. Il y a forcément un moment de doute. On est là, on est vraiment dans la période de doute. Les Nations Unies sont en train de terminer leur mission après plus de 12 ans dans le pays. Point de vue sécurité, il n'y a aucun problème. Vraiment, tu peux te promener à n'importe quelle heure dans Dili, bien sûr. Après, c'est comme dans toutes les capitales, il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter. Si la sécurité marche, s'ils arrivent à créer des emplois, parce que ça reste le plus grand problème pour le moment, c'est créer des emplois, le pays ne fera que nous... Enfin, c'est merveilleux. Tu t'assistes à la naissance d'un pays. Avec le pétrole, le gouvernement a pu multiplier par 4 son budget national et lancer des projets de construction, d'éducation et de santé. Ce pétrole lui permet d'annoncer un taux de croissance qui frise les 10% par an. Mais de nombreux problèmes demeurent, surtout pour la jeunesse. Leur taux de chômage reste élevé et les possibilités de formation sont rares. David me met en contact avec Keka, une jeune Timoraise de 20 ans, qu'il a formée dans sa société de production. Keka est à la veille d'un événement qui va changer le cours de sa vie. À partir étudier aux États-Unis. J'ai reçu une bourse pour intégrer l'université de Hawaï. Je vais étudier la communication avec une spécialisation en journalisme. Je suis vraiment excitée et j'ai hâte d'aller là-bas. Bientôt j'y serai. Je peux compter les jours. Encore 25 jours. En ayant la chance de partir à l'étranger, dans une bonne université, je pourrai accumuler plus de savoir qu'au Timor. Donc ça va être un défi pour moi d'aller étudier, de rencontrer des gens qui ont d'autres besoins, une autre culture, et c'est bien parce que je vais apprendre beaucoup de choses qu'on ne trouve pas au Timor oriental. Je veux revenir et je dois revenir. Je me sens vraiment obligée d'aider au développement de mon pays. Eka fait partie de cette jeune génération qui ne veut plus penser à la guerre et préfère se tourner vers l'avenir. Mais pour son frère Graziano, âgé de 32 ans, la plaie n'est pas encore cicatrisée. Ce qui a été fait avant appartient au passé. Mais si c'est un crime, le pardon ne suffit pas et on doit avoir recours à la justice. Si tu as fait une erreur dans ton passé, tu dois faire face à ton procès. Et si tu es jugé coupable, tu dois être envoyé en prison. C'est ça le processus. On peut pardonner à ceux qui ont commis des crimes mineurs, des petites offenses. C'est autre chose.
Mais si tu as tué des gens, ce n'est pas suffisant de les pardonner. Il faut qu'ils soient jugés. Selon moi, la volonté de ce gouvernement et des victimes pour régler ce problème n'est pas une priorité. Les gens qui ont été des victimes sont toujours des victimes. Depuis la fin de la guerre, deux commissions ont été créées par le Timor oriental et l'Indonésie. Elles reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Indonésie, mais en aucun cas sa culpabilité. Subtilité technique qui permet aux véritables coupables de ne pas être jetés en prison. Aucun des miliciens ou des militaires ayant commis des crimes n'ont été incarcérés. Ce qui explique l'aigreur de Graziano. Les victimes n'ont pu confronter leurs bourreaux. Mais le temps de l'histoire appartient à chaque pays. Et je pense que le gouvernement timorais a sans doute raison aujourd'hui de se projeter vers son futur, plutôt que de vouloir absolument obtenir l'accusation des criminels du passé. Il y a un temps pour tout. Et surtout, je me demande ce que sera le Timor dans 30 ans. À voir. Pour l'instant, je dois reprendre ma route vers l'île de Sumba. Salut Katia! Oh Sacha, tu as trouvé! Salut Patrick! Alors Sacha? Ouh. Fais attention hein, quand tu tisses. Toujours en pente comme ça, les champs de manioc? Ouais. Oui, quelquefois, hein, pas tout le temps, mais ça dépend de, salut. De la plante. Alors là, vous êtes en train de faire la cueillette? Voilà. Ouais. Mais donc le manioc, c'est une racine? Ouais, c'est une racine. Qui pousse c'est-à-dire, donne ses arbres en fait quoi. Ouais, donne ses arbres. Donc ça vous vient plutôt des premiers habitants de l'archipel guadeloupéen, les Indiens Caraïbes. Voilà. Caraïbes, les Indiens Caraïbes. Les Indiens Caraïbes. Ça c'est une culture traditionnelle en Guadeloupe. C'est vrai que le manioc c'est une tradition qui commence à se perdre. Hein. Mmh. Et donc on ne trouve pas beaucoup de plantations de manioc. Jadis, ça fait partie de la culture des pauvres. Donc, c'était les pauvres qui. Les familles qui transformaient un peu de manioc de temps en temps pour se nourrir. Mais maintenant, on fait les cassaves, on fait tout plein de choses avec le manioc. Et donc, c'est devenu, si on veut, on va dire, un produit de luxe, on va dire. Hop. C'est comme une patate, mais géante, en fait. Voilà, exactement. Et tu casses, et tu me donnes. Je mets en sac. Mais vous avez gardé ça au bout du. Voilà, alors nous, on essaie de perpétuer. Ma grand-mère l'a fait, ma mère l'a fait, et maintenant, je reprends la relève et j'espère que mes enfants le feront aussi. On va à la manioquerie. Le cassave, pour moi, jusque-là, c'était un groupe de musique. Hein. Et voilà, on va jusque là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Germaine. Bonjour, Germaine. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et cette manioquerie, ici, là, c'est vous qui l'avez créée? Oui, c'est moi qui l'ai créée en 84.
Là, ici, nous ne nous contentons pas de faire uniquement la farine et puis les cassaves. On fait tout. Moi, je cherche à faire tous les produits que l'on peut tirer du manioc. C'est pêché et lavé, on va le passer au moulin. Et puis ensuite, il enlève le jus. On met à la presse est à côté de nous. Ouais. Il faut presser. Et après avoir pressé, on va passer au tamis. Et je suis en train de sécher. Okay. Et on sèche et on obtient la farine de manioc. Donc tu fais le service, Sacha, pour moi, tu déposes sur la table. Je fais le service, d'accord. Voilà. Alors tu déposes sur la table. Tout le long, hein, d'accord? D'accord. Bonjour. Alors ça, c'est les acras de manioc. À la coco. Ouais. C'est pimenté, léger, moi j'ai noté. Oui, c'est farine de manioc et noix de coco. C'est très léger et très fin. Il y a de la morue dedans. Non, il n'y a pas de morue. Comment vous consommez d'habitude le manioc, vous? Mais de la farine. De la farine. Qu'on met dans du lait, du chocolat, des haricots, haricots rouges. Ou quoi. Bon, je vous amène la suite alors. C'est un gros succès, hein, Katia. Ah ben c'est super. Ben là, on va commencer à servir les cassaves. On va servir du thon en premier. Regarde, 100 mètres de gras, comme ça. Ah ouais. Bon, là, c'est la suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est donc cassave avec du thon et du fromage. Si vous voulez ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu lier tradition et modernité. C'est-à-dire faire des cassaves jambon, fromage, rouler saucisse, comme on... La cassave salée, on ne la connaissait pas. Ah bon? Ça ne fait pas partie d'une tradition des Antilles de manger la cassave. Ça, c'est une innovation. Avant, c'était juste la galette. La galette nature. Et la farine. Mais ils mangeaient la farine beaucoup dans tout. Dans tout. Et ils te disaient, quand on a de la farine chez soi, on a à manger. Ouais. Même avec un peu d'eau sucrée. L'île de Basse-Terre porte mal son nom, car c'est l'île la plus haute des Petites Antilles. Il a fallu 3 millions d'années d'activité volcanique pour sculpter ces reliefs abrupts, dont le point culminant est le volcan de la Soufrière, avec ses 1467 mètres. La Soufrière est le dernier volcan en activité de Guadeloupe, une curiosité qui attire de nombreux randonneurs. Nous sommes ici, nous allons passer à travers la forêt des baies jaunes, et puis nous allons prendre le chemin des dames pour arriver jusqu'au sommet à environ une heure et quart. Alors nous poursuivons notre ascension en direction de la Soufrière. Il faut tout d'abord s'enfoncer dans la forêt tropicale qui prolifère à basse altitude au pied du volcan. Là, vous avez un ananas géant. Donc son nom latin, le Glomeropitcairnia pendulliflora, mais ça va être difficile à retenir. Pensez ananas géant. Voilà. Nous allons traverser la forêt tropicale humide. La végétation est très variée, c'est une végétation indigène. Et on constatera que la forêt va se rabougrir au fur et à mesure qu'on va grimper. Ceci sera la conséquence de l'effet du vent. Donc on va quitter les grands arbres pour arriver à une strate arbustive et herbacée, beaucoup plus modeste. Nous avons quitté la forêt tropicale derrière et nous allons commencer bientôt l'ascension du volcan. Les flancs du volcan sont battus par des vents violents. Et la température chute brutalement. Le petit groupe avance avec difficulté. La Soufrière se mérite. Alors, c'est la zone de la Soufrière la plus ventée. Alors, les vents peuvent atteindre les 110 km/h. Alors, nous sommes là, face au cratère sud. Voilà le cratère sud. Dans un vacarme constant, le volcan laisse échapper des fumerolles acides et fortement toxiques.
Si la dernière éruption remonte à plus de 35 ans, la Soufrière reste un volcan dangereux, placé sous surveillance constante par l'équipe de l'Observatoire volcanologique. C'est un volcan explosif, c'est-à-dire que s'il rentre en éruption avec du magma, il va rayer tout ce qui est le sud Basse-Terre, la Basse-Terre, Baïf, Saint-Claude, toutes ces communes-là risquent d'être rayées. L'avantage qu'on ait, c'est qu'on arrive à prédire les éruptions, donc on aura le temps d'évacuer les gens. Donc sur un bilan humain, il n'est pas meurtrier, mais ça reste quand même un volcan très dangereux. Parmi ses nombreuses missions, Olivier doit effectuer des prélèvements d'eau dans une des sources qui jaillissent en contrebas sur les parois du volcan. Pour la rejoindre, c'est une véritable expédition. Les volcanologues doivent aussi être des scientifiques tout-terrain. Donc là, on va prélever une nouvelle source. Alors ces sources sont intéressantes parce que elles nous donnent pas mal d'informations sur ce qui se passe en profondeur. On a le magma qui dégaze. Les gaz vont remonter à travers des fractures, ils vont se condenser dans l'eau. On va pouvoir regarder sa composition au cours du temps et voir ce qui se passe plus en profondeur. Là, il y a différents types de couleurs sur cette cascade parce qu'il y a plusieurs sources qui sortent. Donc il y a des sources plutôt ferrugineuses, donc c'est celles qui sont orangées. Puis après, il y a ce qu'on appelle les sources blanches. C'est un mélange de soufre et de silice. Et après, il y a du vert parce qu'on a des petites algues, des petits micro-organismes qui se développent là le long de ces sources chaudes. Donc ça nous donne ce panel de couleurs là assez somptueux. Une fois effectués les différents prélèvements, Olivier retourne à l'observatoire pour analyser les échantillons. Il s'agit de traquer les signes éventuels qui pourraient annoncer une prochaine éruption. Alors, le volcan il reste tout de même actif depuis que les fumerolles se sont acidifiées au sommet. Donc ça veut dire qu'on peut avoir potentiellement une éruption dans les mois et les années à venir. C'est quelque chose de vivant, mais pour l'instant, l'activité reste quand même assez restreinte. Mais l'activité volcanique de la Guadeloupe n'est pas qu'une source d'inquiétude, elle peut aussi être une source d'énergie. Au pied du volcan, une centrale géothermique unique en France puise dans les entrailles de la Terre une eau à 150 degrés, réchauffée par le magma. La vapeur d'eau permet d'alimenter en électricité une ville de 35 000 habitants. Une énergie propre, fournie gracieusement par le volcan. C'est la période du carnaval. Donc toi, c'est là où tu es le plus actif de toute l'année, c'est ça? Ah sûr. Impliqué à plusieurs sites d'ailleurs. Moi, je fais de la musique, je confectionne des décors, je confectionne des marionnettes géantes articulées, je fais les jazz. On va dire, je suis un homme orchestre en avant. On peut dire ça comme ça. Waouh, vaste programme, j'ai hâte de voir. Ah ouais, ça fait quand même 46 ans que j'y suis. Hein. Je suis entré dedans officiellement à 15 ans, l'âge de 15 ans. Merci. Comment vas-tu alors? Patrick. Bonjour. Sacha, enchanté. Patrick. Designer de génie, l'un des meilleurs, sinon je crois le meilleur. De voilà. Vêtements donc. Hein, bon, voilà. Oh. Bonjour. Toutes les couturières. Enchanté. Alors Sandrine, Claudia, qui montent les vêtements. Waouh, ça brille. Hein. Chaque année, on vous commande de nouveaux déguisements. Je fais des croquis, je fais des dizaines et des dizaines de croquis. Et les groupes choisissent, ils me disent qu'ils aiment bien ça, qu'ils aiment ça. Alors bon, je te dirais même, c'est même pas un déguisement par année. Il y en a un minimum de trois. Parce qu'on a, le dimanche gras qui est un jour assez phare à Pointe-à-Pitre. Ouais. C'est une grande parade. Ouais. Nous avons le lundi soir,
la parade électrique. Il y a la parade, la grande parade du Mardi Gras. Ça fait quand même 3 costumes, c'est considérablement cher. Alain, les gens, comment ils font pour se l'offrir? Vous avez des subventions ici? Heureusement qu'il y a quelques subventions qui tombent. C'est une volonté régionale de pousser le carnaval. Hein. Et cette année, je crois qu'on est classé 3e artistique du monde. Hein. Ah oui. 4e ou 5e mondial. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, mademoiselle? Les yeux. Les yeux du masque. Et juste derrière vous, alors, ce qu'il est en train de piquer en ce moment, ce sont les yeux du masque. Et vous avez le nez ici, vous voyez. Et puis la bouche, qui est placée un petit peu coquinement. Ah oui, d'accord, ah oui, je comprends. Ceci, c'est le masque qui va avec le costume que je viens de vous montrer. Et toutes ces pièces, oui, aussi finement confectionnées, elles sont valables pour seulement quelques heures, quoi. Ah oui, une fois par an. Oui, tout à fait. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup, je dirais même beaucoup de mois de travail, pour seulement 3 heures, 4 heures de parade. Danseur du groupe Wapa. Et il a des chaussures à talons. Ah oui. Maman, il est beau. Hein. C'est quoi qui préfère, à ton avis, le public en venant voir le défilé? C'est les dames, les costumes. Les hommes, c'est forcément les femmes. C'est les costumes aussi, c'est l'ambiance, c'est les orchestres. On aime bien ça parce que c'est une réunion différente. Chez nous, Bastien, c'est notre spécialité. On amasse, on a les groupes acoustiques et on a les groupes orchestres. Ils sont passés à Point d'Avis. Donc ça, c'est un des groupes qui récolte tous les prix? Ah oui, qui a récolté dans les années passées. Ah oui. Là, c'est quoi comme groupe? Ça s'appelle comment, ce genre de groupe? Et nous, on appelle ça masque. Et masque aussi, c'est un phénomène culturel qui ne ressemble pas du tout à Venise. C'est masque à fouet, masque à corne, masque à ruban, masque à blindette, masque à la mort. Donc on en a fait plein, nous. Voilà. Les masques, c'est les masques. Voilà. Mais sinon, tu as toute la flopée de jeunes groupes qui n'ont pas, qui ne sont pas assez riches, se soutiennent. OK? Les groupes font de très belles choses. Le carnaval, c'est notre défoulement total. Ah ben là, je vois ça. Tu sais, c'est une musique à deux temps. D'accord. Cette semaine à la Désirade,